Bienvenue à tous à ce deuxième webinaire, ce deuxième séminaire sur environnement accessible et société inclusive. Bienvenue à ceux qui se sont reliés par Zoom et aux autres qui sont peut-être à l'écoute sur YouTube. Et pour ceux qui n'étaient pas là au premier séminaire, je me présente. Je m'appelle Marcella et je suis italienne, mais je vis à Marseille. J'ai 68 ans. Et je vous parle dans ma chambre. Et derrière moi, il y a un mur blanc avec un petit tableau que j'ai peint moi-même en profitant de la quarantaine du COVID. Et je porte souvent des lunettes, mais pas toujours. Maintenant, je ne les porte pas. Et je suis habillée en blanc et en bleu. Et voilà, alors ces séminaires d'aujourd'hui font donc partie d'un cours de formation qui est possible grâce à certains experts. Et il s'étale sur 4 mois et va nous aider justement à entrer dans la problématique de l'inclusion, c'est-à-dire de façon à construire une société plus fraternelle qui soit accessible à tous. Et donc une société libérée de ces obstacles qui sont d'ordre architectural, technologique, social, culturel, qui exclut malheureusement beaucoup de personnes. Et le premier séminaire concerné, on avait parlé de la limite qui est propre de tout être humain, donc de chacun de nous, et qui nous touche tous, qui plus, qui moins, mais qui peut aussi devenir comme une chance, peut devenir une opportunité. En faisant découvrir d'autres possibilités, d'autres énergies que peut-être on ne savait même pas d'avoir. Et les témoignages que nous avons écoutés l'autre fois étaient vraiment très, très, très touchants. Alors, aujourd'hui, nous allons de l'avant dans ces parcours de formation et nous entrons dans l'accessibilité de l'environnement, donc sur les problèmes de la mobilité. Et cela grâce justement à des techniciens, des experts. Et donc aujourd'hui, la vidéo que nous allons voir est un peu plus technique. Mais ça sera fait de façon bien compréhensible grâce à Renzo Andric et à Stefano Maurizio qui vont nous introduire dans ces aspects-là. Et par la suite, on aura encore un témoignage. Et donc je pense qu'on peut donc commencer par cette vidéo-là. Je suis Renzo Andric de Belluno, dans le nord de l'Italie. Je mesure environ 1,80 m, je porte des lunettes, j'ai des cheveux argent comme ici à mon âge, 66. Je vous parle depuis mon studio et derrière moi, j'ai un mur blanc. Je suis marié avec Lucie et nous avons 4 enfants. Je suis ingénieur et depuis plus de 40 ans, je m'occupe des technologies d'assistance, c'est-à-dire des aides à l'autonomie des personnes porteuses de handicap, c'est-à-dire prothèses, fauteuils roulants, outils informatiques, aménagement du domicile, bref, tout ce qui est utile aux personnes porteuses de handicap pour améliorer l'autonomie et la qualité de vie. Pendant plus de 37 ans, j'ai travaillé comme responsable des activités de recherche dans ce domaine auprès d'une grande organisation italienne qui est basée à Milan, la Fondation Don Carlo Gnocchi, qui s'occupe des soins, de la réhabilitation et de la promotion sociale des personnes avec un handicap. Je suis Stefano Maurizio de Venise. Je mesure 1,80 m, 1,50 m en position assise. J'ai 61 ans et j'ai aussi les cheveux argentés, comme dit Renzo, mais beaucoup moins que lui. Je suis marié avec Marie-Angela et nous avons une fille. Oh, j'oubliais, pour me déplacer, j'utilise un fauteuil roulant manuel depuis que j'ai un accident de voiture il y a plusieurs années. Je suis architecte et j'ai un studio avec quelques collègues. Dans tout ce que nous concevons, nous essayons d'appliquer les principes de ce qui est appelé le design universel, une conception qui tient compte des nécessités qui sont différentes pour chacun. L'expérience nous a appris qu'en répondant aux besoins des personnes avec handicap ou âgées, on améliore la qualité globale de l'environnement pour tout le monde.
Nous nous sommes occupés de la supervision de nombreux travaux publics, mais nous faisons aussi de l'expertise pour aménager des logements privés et promouvoir l'autonomie maximale de chaque personne porteuse d'handicap. Bien, dans cette conversation, nous aimerions offrir à votre réflexion quelques notions de base en termes d'accessibilité. Comment l'environnement physique qui nous entoure peut-il contribuer à l'autonomie, aux relations, à la qualité de vie de la personne qui a des limites dans ses capacités physiques, sensorielles ou cognitives, pour des causes congénitales ou à la suite d'un traumatisme, d'une pathologie ou simplement d'un âge avancé. Un journaliste italien bien connu, Franco Pombresi, grand connaisseur du monde du handicap, aussi parce qu'il est lui-même en fauteuil roulant, depuis sa naissance, avait écrit dans l'introduction de Manette technique sur l'architecture accessible, il avait écrit « Si j'étais Belzébuth, le diable, et si j'aurais dû décider quelle catégorie de personnes placées dans la partie la plus terrifiante et sombre de l'enfer, je mettrais certainement les architectes et les ingénieurs. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont les principaux coupables de notre handicap. Ce sont eux qui construisent ces barrières qui nous entravent notre vie. Stefano, qu'en penses-tu? » Au fait, cela est vrai. Au-delà de la métaphore, Franco a dit une vérité qui n'est peut-être pas encore entièrement comprise. Nous avons tous des limites dans nos habiletés motrices ou visuelles ou auditives ou intellectuelles ou relationnelles. Nous tous utilisons des technologies pour dépasser nos limites, par exemple la voiture, comme pourrions-nous surmonter certaines distances en marchant ou le téléphone portable, comment communiquons-nous pour nous à distance? Qui est donc une personne avec handicap? Quelqu'un qui, par exemple, comme moi, a une capacité plus limitée pour se déplacer par rapport à la moyenne de la population et qui doit recourir à des outils spéciaux que nous appelons aide technique ou technologie d'assistance. Cela lorsque les outils et les environnements où nous vivons habituellement ne sont pas conçus selon les principes du design universel. En fait, la limite n'est pas un problème en elle-même puisqu'elle est une expérience constitutive de l'être humain. En fait, tous l'expérience tôt ou tard dans notre vie, surtout quand on est âgé. Encore moins devrait-il avoir un problème aujourd'hui avec toutes les possibilités technologiques dont nous disposons. C'est dans la société qui, avec ses barrières, fait du handicap un problème. La première malade est la société et nous, techniciens, architectes, ingénieurs, designers, nous sommes appelés à la soigner. Le handicap n'est pas un attribut de la personne, mais une situation dans laquelle on peut se trouver. Quand les limites doivent affronter un obstacle. Ce n'est pas un hasard que l'Organisation mondiale de la santé parle de handicap par opposition à fonctionnement et que la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées parle de personnes avec des handicaps. Cela pour souligner qu'avant tout, il y a une personne dans tous ses aspects et que l'handicap survient au moment où elle rencontre des obstacles. Oui, prenons un exemple. Pensons à un téléphone portable. Je veux offrir un cadeau à un de mes parents âgés qui souhaite communiquer avec moi, mais qui, à cause des maux de l'âge, a du mal à voir, entendre, manipuler avec les mains. Certainement, je chercherai un téléphone portable de simple utilisation, avec un écran bien visible et lumineux, avec de grandes touches lumineuses et en relief avec une sonnerie forte. Un portable sans trop de fonctions, mais avec celles qui sont vraiment utiles. Ainsi, quand cette personne âgée veut m'appeler, elle peut le faire sans effort, en toute autonomie, avec plaisir. Et je ne la mettrai pas en difficulté quand je l'appellerai. Supposons par contre de lui offrir un smartphone moderne et élégant, petit, subtil et noir, avec beaucoup de touches, icônes et applications qui nécessitent des gestes raffinés et précis pour leur fonctionnement. Probablement, cette personne aurait besoin de beaucoup de temps avant de réussir à répondre à mon appel, pour arriver à prendre en main l'appareil, lire une écriture minuscule pour comprendre qui l'appelle.
toucher un bon endroit et dans la bonne direction pour prendre la ligne, etc. Dans le premier cas, le téléphone portable est une technologie habilitante. Dans le second cas, une technologie invalidante. On pourrait dire que le premier est un bon cadeau pour maman. Le second est pour la belle-mère. Bien sûr, c'est une blague, mais gardons-la à l'esprit car cela nous aide à nous souvenir du concept. Une devise qui circule en Europe depuis un temps nous aide aussi. Good design enable, bad design disable. Autrement dit, ce qui est bien conçu rend habile et ce qui est mal conçu rend les gens handicapés. Nous pouvons avoir un environnement favorable ou un environnement handicapant. Si je voyage en fauteuil roulant, je suis parfaitement à l'aise jusqu'au moment où je trouve un obstacle, par exemple un escalier ou une rampe trop raide, glissante ou dangereuse. Si je suis mal entendant, mais que j'ai un appareil adapté, je serai bien capable de communiquer. Jusqu'à ce que je me trouve dans un milieu plein d'écho ou de bruit de fond. Par conséquent, les caractéristiques environnementales, accessibilité, sécurité, bruit, éclairage, ergonomie, etc., peuvent avoir une influence décisive pour déterminer la capacité ou l'incapacité d'une personne. Stefano, peux-tu nous donner des exemples? Oui, bien sûr, je donne trois exemples. Un, dans l'urbanisme ou dans le domaine des transports et dans la construction privée. Le premier concerne ma ville, Venise, qui est un joyau architectural, mais que l'on peut aussi imaginer comme une grande seule barrière architecturale. Imaginez, il y a 121 îles reliées par 436 ponts. Rendre accessible à tous est un grand défi. Heureusement, il y a une période où l'accessibilité a été placée au centre des politiques sur la mobilité et le logement. Un défi compliqué par la complexité du patrimoine historique. Et compte tenu du nombre de monuments architecturaux protégés, eux aussi fragiles, car ils ont besoin des soins de la part d'architectes et d'ingénieurs, un travail de raccommodage qui rend notre profession vraiment fascinante. Nous sommes partis de la considération qu'aujourd'hui et encore plus demain, dans le cadre de la mobilité durable, beaucoup de gens se déplaceront avec des véhicules roulants. Nous ne parlons pas seulement de fauteuils roulants manuels ou électroniques, ceci de plus en plus avancé, mais aussi des trottinettes électriques, skates, patins, vélos à pédalement assisté. Et typique de Venise, le poids de bagages utilisé pour transporter des habits, des valises, etc. Et d'autres chariots pour transporter tout type de marchandises, des réfrigérateurs aux bonbons de vin. Eh bien, chaque marche, même la plus petite, représente un obstacle majeur. Voici donc la décision de superposer aux escaliers des ponts dans certains parcours. Des rampes amovibles qui conviennent à tout type de roue. Nous avons procédé de manière participative en partant d'un projet architectural. L'administration municipale a fait construire un prototype de rampe à l'échelle 1.1 afin de vérifier les dimensions pente, largeur, épaisseur de la main courante, etc. Et la qualité des matériaux, structures, surfaces de marche, parapet, au moment d'évaluer ce prototype, l'administration a invité les représentants des principales associations concernant les personnes handicapées et les différents organismes chargés du patrimoine de la ville, bâtiments, paysages, histoire et art. Ensemble, il a été possible d'essayer physiquement l'utilisation de la rampe par des moyens divers, fauteuil roulant, manuel ou électronique, déambulateur, chariot, chaussures à semelle, en caoutchouc ou chaussures en cuir, et dans diverses conditions météorologiques, rampe sèche, rampe humide. Cela a conduit à des choix largement partagés tout en respectant les rôles et responsabilités. Les nécessités personnelles et sociales de chacun. Pour la main courante, un tube en acier de section circulaire d'un diamètre de 45 mm a été choisi. Pour le revêtement du sol, on a choisi des dalles en fibre-ciment, car c'est le seul matériel parmi ceux qui ont été
testé, qui parvient à combiner les caractéristiques de la résistance mécanique, légèreté, facilité de montage et l'imperméabilité avec les brumes salées typiques de Venise. Cela tout en restant antidérapant et de couleur naturelle et neutre. Un treillis d'acier a été choisi pour le parapet, avec un effet visuel de transparence presque filigrané. De nombreux ponts ont été construits de cette manière, et nous remarquons que la plupart des gens qui se promènent préfèrent la rampe aux marches. Cela nous conforte dans notre hypothèse de départ. C'est-à-dire qu'en partant des nécessités des personnes porteuses de différents handicaps, la qualité physique de la ville est améliorée au profit de tous les citoyens et de la durabilité écologique. Intéressant. Et le deuxième exemple, celui concernant les transports en commun. Oui, toujours à Venise, là où il y a de la terre ferme, le tramway électrique a été récemment introduit comme nouveau moyen de transport en commun. Pour desservir l'arrière-pays métropolitain, mais qui arrive jusqu'à Piazzale Roma, c'est-à-dire l'entrée du centre historique sur la lagune. En plus des avantages incontestables de la durabilité environnementale, par exemple zéro émission de dioxyde de carbone, le tramway a donné d'excellents résultats également en termes d'accessibilité. Le véhicule se déplace sur un monorail placé à la hauteur du goudron avec un plancher extrêmement bas, 22 cm, qui permet une montée très facile pour tous grâce aux plateformes d'arrêt. Celles-ci sont parfaitement colplanaires avec le véhicule. Ils sont connectés au trottoir par des raccords ayant une pente très limitée. Le véhicule et les arrêts sont équipés de signaux sonores et visuels faciles à comprendre, avec signalisation des arrêts, soit à l'arrêt du tram qu'à l'arrêt extérieur. Ce système de déplacement peut être utilisé de façon autonome aussi par des malvoyants aveugles, sourds et toute personne âgée en difficulté. En fonction des nouveaux tramways, la structure routière des trottoirs a dû être renouvelée. Cela a été l'occasion de rendre tous les trottoirs accessibles sur environ 22 km, soit l'ensemble du trajet du tramway. Ce sont des exemples très clairs pour affirmer que l'accessibilité améliore la fonctionnalité, la durabilité, la beauté de la ville, le plaisir d'y vivre et de la vivre est multiple, les espaces d'agrégation. En ce qui concerne la maison, l'espace de vie personnel, que peux-tu nous en dire? Madame Manuela me vient à l'esprit. Elle a une maladie invalidante progressive, ainsi le rose en plaques. Aujourd'hui, elle marche avec un déambulateur et probablement à l'avenir, elle devra utiliser un fauteuil roulant électronique. Sa maison est près d'une rivière avec un haut remblai où passe la route. Le chemin d'accès présentait une forte pente descendante pour aller de la rue au jardin, puis de marche en montée pour accéder au porche et à la porte d'entrée. Bref, des hauts et des bas, de plus en plus difficiles à gérer pour elle de façon autonome. Heureusement, la maison à l'intérieur était sur un étage, sur un seul étage. Nous avons résolu le problème en créant un nouveau chemin piétonnier qui, à partir de la hauteur de la chaussée, en enlevant la barrière piétonne, atteint l'entrée de la maison. La descente raide et les deux marches ont été supprimées d'un seul coup. Le chemin a aujourd'hui une chaussée antidérapante, est équipée d'une main courante et présente une très légère pente, environ 2%, accessible de manière simple, sûre et autonome, en utilisant un ambulateur ou un fauteuil roulant. La différence de hauteur entre le chemin et le jardin a été ensuite comblée par de la terre végétale, où la dame va planter des roses, sa grande passion. Bref, une invention très simple et relativement à bon marché. On peut dire que lorsque l'on sommes confrontés aux exigences individuelles d'une personne handicapée, en plus des principes du design universel mentionnés, il faut prendre en compte de nombreux autres détails. La condition clinique, l'âge, les habitudes, les aides utilisées et prévues pour l'avenir.
Apparemment, cela semble compliqué. En réalité, il est facile de faire un projet avec le client en travaillant ensemble afin qu'il atteigne le maximum d'autonomie possible. Merci Stéphano pour ces exemples. Aujourd'hui, entre autres, nous assistons à une intégration croissante entre l'architecture et l'ingénierie. Les milieux où nous vivons regorgent d'objets technologiques qui sont sensibles à notre présence, qui sont géolocalisés, capables d'interagir avec nous, car ils peuvent reconnaître notre voix, notre visage, notre empreinte. Ils sont connectés dans le cloud, le nuage d'Internet, liés aux algorithmes d'intelligence artificielle capables de traduire d'une langue à une autre, de prévoir certaines de nos intentions et de résoudre les problèmes à l'avance. Ils sont peut-être connectés les uns aux autres via Internet of Things ou Internet des objets qui relient les objets. Pensons à la voiture autonome qui n'est plus de la science-fiction. C'est question de quelques années et elle sera utilisable par ceux qui ne peuvent pas conduire. Tout cela ouvre de nouveaux scénarios en termes de sécurité sociale et de vulnérabilité. Mais cela ouvre également des possibilités jamais vues de rendre chaque espace et objet utilisable de manière autonome, efficace par tous. Fondamentalement, avec les possibilités technologiques dont nous disposons aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour ne pas considérer le design universel un véritable standard de conception. Tu as tout à fait raison, Renzo, mais rappelons-nous une chose. Même si beaucoup de progrès peuvent être faits en termes d'accessibilité à l'environnement, cela ne suffit pas. Souvent, la personne doit à son tour faire une démarche d'adaptation à l'environnement, acquérir les technologies appropriées, les technologies d'assistance, qu'en italien nous appelons aide. Ici aussi, l'évolution technologique permet des solutions qui étaient autrefois inimaginables. Cependant, elles ne sont pas disponibles partout et pour tout le monde. Renzo, qui a toujours veillé sur cet aspect et préside un réseau international d'information sur les aides, peux-tu nous donner des exemples? Oui, bien sûr. Une poussette, une lentille, une canne blanche, un appareil auditif, un communicateur, un monte-escalier. Une main courante, des ustensiles simples comme des couverts adaptés ou un pilulier pour des personnes ayant des troubles de la mémoire. Ce sont tous des exemples de technologies d'assistance, des outils indispensables pour favoriser l'autonomie et la dignité des personnes, pour encourager la participation à l'école, au travail et dans la société. Sans aide adéquate, les personnes ayant des limitations motrices, visuelles, auditives ou cognitives sont exposées à la marginalisation. Dans certains pays où il n'y a pas de système de sécurité sociale, ces personnes risquent davantage la pauvreté. Cette situation peut demander beaucoup d'attention de la part de la famille et de la communauté. Mais dans de nombreuses régions du monde, malheureusement, beaucoup de gens rencontrent encore de grandes difficultés pour obtenir les aides dont ils ont besoin. Il faut donc investir davantage dans la recherche et l'industrie, dans les services spécialisés avec du personnel formé pour aider la personne à identifier les aides adaptées à sa situation. Les acquérir, les personnaliser, apprendre à les utiliser, à les gérer. L'Organisation mondiale de la santé essaie d'accélérer tous ces processus. Et récemment, elle a défini les aides comme le quatrième pilier des stratégies de santé. Donc, d'une importance stratégique égale aux médicaments, vaccins et dispositifs médicaux. Cependant, de nombreuses aides sont encore méconnues à une grande partie de la population. Et peut-être qu'elles ne sont disponibles qu'auprès de petites entreprises spécialisées dans une partie du monde. Heureusement, dans de nombreux pays, les portails Internet spécialisés viennent nous offrir une solution. Au niveau international, ce réseau d'informations que tu as nommé le réseau ISTIN, www.istin.eu, est un bel exemple de collaboration internationale dans ce secteur avec une trentaine de pays impliqués. Bien, récapitulons ce qui a été dit jusqu'à présent en quatre concepts. Premièrement, le handicap est donc une situation et non pas une caractéristique
intrinsèque de la personne. C'est une situation qui se crée lorsque ma limite rencontre un obstacle créé par la société. 2. Good design enable, bad design disable. Une bonne conception universelle design est une bonne conception. Produit des capacités, une mauvaise conception produit des handicaps. 3. L'accessibilité, lorsqu'elle est bien faite, améliore la qualité de l'environnement pour tous. L'accessibilité signifie fonctionnalité, durabilité, beauté, relation. 4. Les technologies d'assistance et techniques sont essentielles au maintien de l'autonomie. Toute personne qui en a besoin doit avoir la possibilité de les connaître et de les obtenir. Parfait. Et maintenant, nous arrivons aux conclusions. L'accessibilité n'est pas qu'un problème technique, c'est un langage avec lequel l'environnement me dit tu es inclus ou tu es exclu. C'est un défi culturel interdisciplinaire qui implique de nombreuses responsabilités. La politique, l'organisation de la société civile, les services sociaux et de santé, l'industrie, le tourisme, l'éducation, l'art, la communication, etc. Dans ce cadre, à nous techniciens, je parle des architectes, ingénieurs, designers, informaticiens, web designers, etc. Il nous est confié une responsabilité particulière. Nous, les techniciens, avons le pouvoir de construire de nouvelles barrières. Si nous continuons à concevoir un bâtiment ou un objet ou un dispositif de manière traditionnelle, cela arrivera inévitablement. Et plus tard, nous devrons trouver la solution pour rendre tout cela accessible. Bien sûr, par exemple, nous projetons Ex Novo une école avec un escalier à partir de l'entrée principale. Puis, on fait une entrée séparée pour les personnes porteuses de handicap, créant ainsi une séparation qui n'existe pas dans la nature et que l'éthique sociale n'a même plus. Mais nous avons aussi le pouvoir inverse, c'est-à-dire de créer de l'accessibilité. Et cela se produit si nous insérons le critère de l'accessibilité parmi les exigences initiales du projet. Si un pied d'égalité avec la sécurité, la fonctionnalité, durabilité énergétique, esthétique, etc. Certes, la législation, les normes, les règlements techniques sont très utiles. De nombreux États ont d'excellentes lois. Mais la législation seule ne suffit pas. Elle ne sert qu'à établir des points communs. Pour résoudre les problèmes de conception complexes, c'est-à-dire pour faire du bon design. Il ne suffit pas d'être de simples exécuteurs d'une norme, il faut mobiliser toute la compétence, la créativité, la capacité d'innovation que les arts de l'architecture, de l'ingénierie, de la conception sont capables d'exprimer. À condition toutefois d'être toujours à l'écoute des exigences des gens. Il faut une recherche constante de solutions toujours plus efficaces, une réévaluation continue de notre mode d'agir. Alors, l'idée d'un environnement accessible, un monde où toute personne, quelle que soit sa condition physique ou cognitive, ne rencontre plus de multiples barrières architecturales ou technologiques ou sociales, qui peuvent affecter sa mobilité, limiter ses relations, l'empêcher de s'épanouir pleinement en tant que personne et en tant que citoyen, ne peut plus être écarté comme une utopie. Oh non, aujourd'hui, avec les moyens et les connaissances que nous avons, ce rêve ou utopie doit devenir réalité. C'est un préalable pour la réalisation d'une société inclusive. Cela fait partie de cette écologie intégrale que nous voulons poursuivre. Merci de votre attention. Merci de votre attention. Merci, merci à vous, Renzo et Stefano, pour toutes les notions que vous nous avez données, des notions fondamentales, et aussi pour votre témoignage personnel. Vraiment, ça serait merveilleux si toutes les villes, les villages du monde, toutes les maisons pouvaient s'équiper de cette façon qui rendrait vraiment les milieux inclusifs.
Et c'est sûr qu'il faut faire beaucoup de routes et il faut se battre pour cela. Et voilà que nous allons continuer avec une autre vidéo, un témoignage de quelqu'un qui s'est vraiment battu. Et il s'agit de ce témoignage vient du Brésil, de la part d'une dame qui est elle-même porteuse d'handicap, mais qui est aussi engagée en politique. Ce qui lui a permis vraiment de faire quelque chose pour changer la situation et vraiment pour l'améliorer. Alors, nous allons suivre la deuxième vidéo. Cindy Acequeda nous raconte son expérience d'engagement personnel et en politique dans la promotion de l'accessibilité et de l'inclusion. Au cours de sa conversation, nous la verrons dans son rôle politique, assise dans son fauteuil roulant et parlant au micro. Photo d'un bus accessible et d'une salle de classe où, au premier plan, un élève assis dans son fauteuil roulant dispose d'un pupitre accessible. Dans une autre image, nous voyons Cynthia au milieu d'un groupe d'enfants aux yeux bandés et remettant un trophée à des athlètes en fauteuil roulant. Je m'appelle Cynthia Sequeira, je vis au Brésil, dans la ville de Goiânia, état de Goiás. J'ai la peau blanche, les yeux verts, je porte des lunettes. J'utilise un fauteuil roulant et aujourd'hui je porte un chemisier à fleurs. J'ai eu la polio quand j'avais 9 mois et depuis lors je n'ai jamais marché. Je suis pédagogue, psychologue et j'ai plusieurs titres de spécialité en psychologie. J'ai été conseiller municipal pendant 2 mandats dans la ville de Goiânia. Avec le rôle de surintendante du secrétariat des droits de l'homme, ainsi que le secrétariat pour la mobilité réduite et l'accessibilité. Je vous propose quelques réflexions sur l'inclusion des personnes porteuses de handicap. La personne au handicap multiple est parfois exclue de la vie sociale. Et cette exclusion engendre beaucoup de problèmes, si bien que les personnes porteuses de handicap finissent par se sentir inférieures. À partir de là, j'ai vu que nous avions besoin d'une législation pour les protéger. Et j'ai commencé à me battre pour arriver à ce but. Quand je suis rentré dans le conseil municipal, nous avons fait un logo d'accessibilité à mettre dans tous les espaces publics afin de faire comprendre l'importance de l'accessibilité. Un ensemble de bus aussi 100% accessibles. Des menus de restaurants en braille pour les malvoyants, des pupitres pour l'inclusion des élèves porteurs de handicap. Tout cela a été fait grâce à la première loi que j'ai proposée quand je donnais mes leçons. Dans toutes les écoles, j'écrivais sur un dossier posé sur mes genoux parce qu'il n'y avait pas de pupitre adapté à ma condition. En outre, j'ai vu qu'il était nécessaire de donner un accès digne aux personnes avec handicap. Ce n'était pas facile. À Goiânia, quand j'ai commencé, c'était dans les années 90, il n'y avait pas de rampe d'accès au trottoir, ni de sol tactile pour les aveugles. J'ai participé activement au travail d'élaboration d'un test visant à ce qui était écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et dans la Convention des droits des personnes avec handicap, qui devient loi au Brésil. Cela a été une étape fondamentale dans l'histoire des personnes porteuses de handicap. Mais il faut encore que l'application de cette loi devienne effective. Le Brésil a une législation très vaste, mais qui n'est pas appliquée dans la réalité. C'est un processus lent, car il y a encore beaucoup de préjugés. Et nous devons trouver une solution aux diverses barrières architecturales et comportementales. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que chacun d'entre nous est responsable de rendre ce monde meilleur. Car si chacun fait sa part, c'est sûr, tout s'améliorera dans la vie.
non seulement pour les personnes portées de handicap, mais aussi pour les personnes âgées, les mamans avec le poussin, etc. L'accessibilité sera utile à tous. Le handicap n'est pas en nous. Le handicap est dans la façon de la société de s'organiser. Je vous demande, j'utilise un fauteuil roulant, pourrais-je me servir des toilettes si je venais chez vous? La plupart des portes des salles de bain mesurent 60 cm. Et les fauteuils roulants ne peuvent pas passer. Nous devons donc faire notre cette idée. L'espace accessible est un droit constitutionnel. Que la personne avec handicap puisse aller et venir librement est un droit. Il faut donc construire un monde adapté à tous. Je voudrais vous laisser une impression qui est la mienne. La dimension de la démocratie et de la citoyenneté se mesure proportionnellement à l'accessibilité d'une ville. Je vous embrasse tous. Voilà. Merci à Cindy pour ce témoignage si fort, à son courage, à sa détermination, tout ce qu'elle a entrepris et continue à entreprendre. Voilà, maintenant nous avons le temps pour un partage. Et alors, c'est possible de le faire de plusieurs façons. D'abord, on peut lever sa main en utilisant la petite image en bas, la petite main jaune, et comme cela, la parole sera à vous. Ou bien en entrant sur le chat, ou bien en entrant sur les padlets. C'est-à-dire, si vous entrez dans le chat, vous verrez qu'il y a déjà à disposition les liens pour entrer dans les padlets sur ces tablettes sur lesquelles on peut écrire ce qu'on veut, une pensée, une réflexion, une question. Et voilà, une chose, si vous prenez la parole, il faut savoir que ce webinaire est enregistré pour le YouTube. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître par la suite, il faut fermer votre caméra. Sinon, vous allez de l'avant. Et voilà, je voulais aussi dire que Renzo Hendrick, que nous avons écouté, et il est aussi présent. Donc, s'il y a des questions aussi pour lui, et il est content de répondre. Et voilà, donc on peut bien en profiter. Je voulais aussi saluer d'autres qui, entre-temps, sont entrés dans ces Zooms. Bienvenue à tous. Donc voilà, je laisse la parole à ceux qui veulent. Soit parler, soit écrire, comme vous voulez. Io sono stata molto interessata perché sono esperienze su un piano grande della città. E penso che mi hanno aiutato anche a pensare, perché qui. Per esempio, no, in Francia ci sono anche tante cose che sono fatte. Però ascoltare le esperienze proprio di quelli che usano. E poi Maria Elisabetta, peut-être oui. Parler français, parce que les autres qui écoutent. Merci. Bon. Merci. Je voulais dire que c'était très intéressant. Merci beaucoup. Stefano et Renzo, parce que même si, par exemple, en France, on voit qu'il y a des moyens qui sont mis à disposition pour permettre à ceux qui ont un handicap de pouvoir circuler dans la ville, de pouvoir monter dans les bus, de pouvoir prendre le tramway, ces expériences sur un plan architectural de la ville sont encore plus intéressantes parce qu'il faut les penser dès le début. Et surtout, la réflexion qui m'a beaucoup plu, c'est qu'elles servent à tout le monde, tôt ou tard, parce qu'on est tous appelés à avoir un handicap plus jeune ou moins jeune. Parce qu'effectivement, pour une bonne partie de la population, on aura des problèmes de vue, d'ouïe ou de déplacement. Et donc, voilà, je voulais vraiment vous remercier. Merci Marie-Elisabeth. Alors, il y a d'autres qui veulent donner leurs réflexions, leur expérience, peut-être.
Je sais que l'autre fois, il y avait quelqu'un qui aurait voulu parler, mais qui n'a pas réussi. Je pense qu'il suffit aussi d'ouvrir les microphones et de parler éventuellement. Dico una considerazione. Oui, alors tu traduis Marie-Elisabeth? Sì. Io spero che faccia una buona traduzione, altrimenti Marcella poi anche correggere. Grazie. Faccio due pensieri. Je fais deux pensées. Je vous expose deux pensées. Il primo che qualcuno mi ha detto: ah, state facendo questi webinar perché per preparare il mondo a quando sarete vecchi. Ah, vous faites ces... quelqu'un m'a dit vous faites ces webinars parce que vous préparez le monde à être vieux. Beh, a vieillir. In fondo è vero, noi tutti sperimenteremo le barriere architettoniche se abbiamo la fortuna di vivere a lungo. Au fond, c'est vrai, parce que nous ferons tous cette expérience de barrière technologique si on a la chance de vivre longtemps. Ma la seconda considerazione è più seria. Mais la deuxième considération est plus sérieuse. Che il motivo per cui tante edifici, tante città vengono ancora progettate in modo inaccessibile. Mais la raison pour laquelle il y a encore tant de villes qui sont encore inaccessibles. È perché l'accessibilità non è ancora entrata nella nostra testa. Parce que l'accessibilité n'est pas encore entrée dans notre pensée. Per esempio, quando abbiamo iniziato questi webinar, par exemple, quand nous avons commencé ces webinaires, qualcuno ci ha detto: ma io sono cieco, se tu non ti presenti, non presenti il tuo aspetto quando parli, come faccio a capire che persona sei? Par exemple, quelqu'un qui est aveugle, malvoyant, nous a dit, mais si toi, au départ, tu ne te présentes pas et tu ne dis pas comment tu es physiquement, comment est-ce qu'on fait pour connaître? Alors, abbiamo cominciato a imparare a dire sono alto, gli occhiali, etc. Alors, nous avons commencé à nous présenter et dire notre taille, comment on est habillé, si on porte des lunettes, enfin, voilà, plus de détails. Perché una persona cieca normalmente riesce a capire il tipo di persona che ha davanti quando si è in presenza. Parce que normalement une personne qui est malvoyante, elle arrive à comprendre quel genre de personne elle a en face d'elle si elles sont face à face présentes entre elles. Ma è impossibile invece su Zoom perché non senti lo spazio attorno alla persona. Mais c'est impossible quand on est sur Zoom parce que justement la personne n'est pas à côté. Ecco, e quindi io dopo 40 anni che lavoro nel campo della disabilità ho imparato questa cosa nuova che non sapevo. Et donc moi même après 40 ans d'expérience où j'ai travaillé dans ce domaine, j'ai appris de ces personnes aveugles parce que je ne savais pas, j'en avais pas conscience. E quindi sono cose che dobbiamo imparare fin da bambini. Et donc ce sont des choses que nous devons apprendre dès que nous sommes enfants. Per cui una buona idea è per esempio fare l'educazione all'accessibilità, all'inclusività nelle scuole primarie. Et donc une bonne chose serait déjà de pouvoir apprendre dès le plus jeune âge dans les écoles l'accessibilité. Per esempio, portare i bambini in giro per la città e dirgli provate a trovare le barriere per chi non cammina, per chi non vede, per chi non sente. Par exemple, les emmener, se promener dans la ville, les enfants, et leur demander est-ce qu'ils savent où sont les difficultés pour quelqu'un qui d'accessibilité pour quelqu'un qui a un handicap. Et noi abbiamo visto in tante esperienze che i migliori insegnanti per i bambini che fanno questa esperienza sono persone con disabilità perché parlano con la loro esperienza. Et donc, on a vu que les meilleurs enseignants, ce sont toujours les personnes qui ont un handicap auprès des autres.
Per cui, concludo, sarebbe bello che da questa rete che stiamo cercando di costruire, tante persone che hanno personalmente la disabilità prendano coraggio e diventino maestri per insegnare agli altri questi problemi. Alors, ce qui serait beau et souhaitable aussi, c'est qu'il y a d'autres personnes qui ont cette difficulté, ce handicap, qui puissent aussi rentrer dans ce réseau pour être témoins eux-mêmes, c'est ça? Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, Irène. Ben, merci. Merci de l'idée que tu as communiquée tout de suite, parce que j'ai dit, ben, ça, je vais la mettre en pratique la prochaine fois avec les enfants, de faire une sortie comme ça dans la ville. C'est vrai qu'on apprend beaucoup par ces webinaires, parce qu'en effet, voilà, ça donnait des idées. D'ailleurs, je voulais dire, pour ceux qui ne sont pas entrés dans les Padlet, que là, il y a une question qui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire là où je suis? Donc, voilà, commencer déjà à se poser cette question. Et voilà, on peut voir les Padlet. Comment on entre? Oui, voilà, merci. D'accord. Merci de l'explication. Merci de nous l'avoir montré. Ah, je ne sais pas. Quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Moi-même, je dois dire que je suis devenue déjà un peu plus consciente. Voilà une chose à faire. Parce que déjà, en sortant avec le petit chariot pour aller faire les marchés, et à chaque fois que j'avais une difficulté à monter ma petite poussette là, sur le trottoir, c'est là que je commençais à penser, mais pour quelqu'un qui est sur un fauteuil roulant, ben, ça, c'est vraiment compliqué. Et donc, ça m'a donné des yeux différents. Ça m'a donné des yeux différents. Et même ici à la maison, je me suis dit, mais ici, notre amie du Brésil, Cindy, serait la bienvenue parce que dans cet appartement où je vis, toutes les portes sont suffisamment grandes, mais larges. Mais par contre, par exemple, il y a un ascenseur qui souvent est en panne. Et donc, le seul moyen après de monter et descendre, c'est l'escalier. Et comme c'est ici, nous avons 9 étages, j'ai dit, mais voilà, pour nous, c'est déjà difficile de faire 9 étages, peut-être avec du poids, mais pour quelqu'un qui aurait des difficultés de déambulation, ça serait impossible. Et donc, c'est toutes des choses qui m'ont un peu, sur lesquelles je commençais à réfléchir et sur lesquelles je ne réfléchissais pas comme cela avant. Donc, encore de cette possibilité, de cette formation. Marcella? Oui, oui. Alors, c'est Aubéry qui... Tu veux que je mette ma caméra? Si, ça dépend de toi. Oui, bienvenue, merci. Oui. Tu disais que... peut-être que tu pourrais commencer à faire quelque chose avec les enfants, c'est ça? Ben mais, oui, c'était promenade en ville, par exemple, pourquoi pas? Je me disais que dans l'éducation, justement, des enfants, on pourrait aussi leur apprendre, tu sais, le respect de, enfin, quand ils seront adultes, quand ils seront grands, le respect de la place handicapée. Voilà, parce que moi qui... j'ai une voiture, donc je suis une personne handicapée physique et j'ai une voiture et j'ai droit à stationner sur les places handicapées. Et quelquefois, ben, je vois qu'il y a des personnes qui sont bien valides et qui prennent ces places-là, qui sont réservées aux personnes handicapées, surtout au centre-ville de Marseille. Et voilà, ces personnes, elles se garent, elles sortent et puis... Pas sans respect quoi de cette place. Et quelquefois je me dis mais ben, ils ne savent pas ce que enfin ils savent pas que les personnes qui ont droit à cette place c'est parce qu'ils
vraiment, ils ont des difficultés pour se déplacer. Ils ne peuvent pas marcher très longuement. Donc, ben, moi, personnellement, ça me prive de la ville. Exactement. Ça me prive des plaisirs de la ville. Parce que je sais qu'en ville, c'est très difficile de trouver une place voilà, à proximité des endroits où je veux aller. Et donc, c'est, pour les enfants, on peut peut-être aussi commencer à leur initier cela. Voilà. Et je pense que tu pourrais bien donner ton témoignage aux enfants. Hein? On travaille ensemble, Edith. Oui. Merci, hein? Merci beaucoup. Alors, j'entends la voix. Pardon. Oui. C'est une publicité qui existe en France. Et quand quelqu'un a pris la place, c'est garé en voiture sur un emplacement qui ne lui est pas réservé parce qu'il est réservé à une personne handicapée, il est écrit « Si tu veux prendre ma place, prends aussi mon handicap. » Et quand cette publicité est sortie, ça a vraiment... fait réfléchir les personnes. Io non so se è stato chiaro, forse in italiano non so avete capito, che in Francia c'è un tipo di pubblicità che dice quando c'è un parcheggio che è riservato a una persona che è handicappato, è scritto non sempre, ma ad un certo momento molto spesso trovavamo se tu vuoi prendere il mio posto di parcheggio, prendi anche il mio handicap. E allora ti rimanda al tuo rispetto di non prendere quello che non devi avere. Cioè, ha un impatto, questa pubblicità ha un impatto forte. Sì. Sì. Bello. Allora, abbiamo ancora... 4 minutes peut-être, 4-5 minutes, si quelqu'un veut encore ajouter quelque chose. Sì, se non ci sono interventi si può anche chiudere qualche minuto prima. Sì, sì. Ecco, allora, se nessun altro vuole aggiungere qualche cosa, ci diamo appuntamento. Pardon. je me suis trompée de langue. Alors, si personne n'a rien d'autre à ajouter... On se donne rendez-vous pour le 13 novembre pour notre troisième leçon, notre troisième webinaire, et toujours à la même heure, à 16h, pour la langue française. Alors, invitez vos amis, invitez votre parenté, invitez, parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous intéresse tous, qui doit nous intéresser tous, hein, et qu'on, de façon à pouvoir construire quelque chose vraiment ensemble. E magari invitare le persone a rivedere questo webinar su YouTube. Ah oui, 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 justement, Renzo rappelle que ce qu'on a fait aujourd'hui, aussi l'autre fois, est toujours visible sur YouTube. Hein, en entrant vous avez tous reçu l'invitation, en entrant dans les sites, il y a toujours la possibilité après de revoir les premiers, les deuxièmes webinaires et de les montrer aussi aux autres. Voilà, alors merci aussi à nos techniciens qui nous ont assistés, vraiment, à chacun. Un grand merci à tous. Et merci. Au revoir dans un mois. OK? Merci. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. United World Project. Grazie. Bene, mandiamo in onda la sigla di chiusura.